Bonjour à tous, bienvenue sur Enzo TV, je suis Enzo Foucra, aujourd'hui nous retrouvons en cuisine pour une vidéo diète, ça faisait longtemps. Vidéo où je vais vous proposer, hein, vu que vous avez été très nombreux à me demander, une journée type de mon alimentation durant ma phase de sèche, hein, sèche que j'ai entamée maintenant il y a un peu moins de 4 semaines. Il me reste encore 7 semaines supplémentaires, enfin quasiment 7 semaines pour voir le résultat final. Force est de constater qu'au jour d'aujourd'hui, je suis plutôt satisfait de l'avancée de ma préparation. Donc voilà, écoutez, sans plus attendre, on va commencer de suite cette journée type. Allez, on commence de suite cette journée type par le petit déjeuner durant lequel je me fais une galette de flocons d'avoine et de blancs d'œufs. Flocons d'avoine, très bonne source d'hydrates de carbone. Les blancs d'œufs, on ne les présente plus, une des meilleures sources de protéines, si ce n'est la meilleure, avec un indice de valeur biologique très très élevé. En accompagnement de cette galette de flocons d'avoine et de blancs d'œufs, en guise de lipides, en source de lipides, j'utilise les oléagineux. Donc là, vous avez des noix et des noisettes, mais je peux utiliser également des amandes ou des noix de cajou sans sel. Ça, c'est selon l'humeur du jour. On pose souvent la question, que fais-tu des jaunes? Alors les jaunes, je ne les consomme pas. C'est pas que je les diabolise, vous pouvez très bien prendre les jaunes si vous voulez, mais limitez quand même leur consommation. D'ailleurs, ils sont très riches en vitamine B6, on y viendra un peu plus tard. C'est juste que personnellement, je préfère utiliser les oléagineux en source de lipides. Donc voilà, vous avez une galette qui non seulement fait le taf au niveau des macros, mais qui a aussi le mérite de caler, vraiment de caler, ce qui est hyper important lorsqu'on est en sèche. Au niveau de la supplémentation, pour les suppléments dont je vais parler, je vous renvoie à mon top 5 des compléments pour la musculation. Premier complément que j'utilise le matin, c'est les oméga-3, acides gras essentiels, hyper important aussi bien en prise de masse qu'en sèche. Un cocktail en multivitamines, je vous rappelle, les vitamines, c'est la pierre angulaire de votre supplémentation. Si vous manquez de vitamines, vous manquez de tout. Rappelez-vous, ce sont les démarreurs, les initiateurs de toutes les réactions chimiques au sein de votre corps, que ce soit de la production hormonale, de la production énergétique. Donc grosso modo, si vous manquez de vitamines, vous manquez de tout. En plus, en sèche, votre corps est affaibli, vous êtes en hypocalorie. Aujourd'hui, il fait super froid dehors, donc si vous êtes carencé, vous risquez de tomber très vite malade. Et enfin, je me supplémente en vitamine C. Alors certains me diront, oui, mais tu prends déjà un cocktail en multivitamine. Alors la vitamine C, bref récapitulatif, vitamine primordiale dans notre sport, qui va favoriser et qui va entrer dans la production de la testostérone, qui est un puissant antioxydant, qui va aussi protéger vos cellules musculaires, qui va entrer dans la constitution du collagène, qui est hyper important pour la santé de vos tendons. Et la vitamine C qui est une vitamine qui est hydrosoluble. Donc grosso modo, plus vous avez de cellules musculaires, donc plus vous êtes musclé, plus vous avez besoin de vous supplémenter en vitamine C, en plus de votre complément, de votre complexe en multivitamine. Donc voilà pourquoi je me supplémente en plus. Nota bene pour nos amis fumeurs, personne n'est parfait. Vous devez également prendre davantage de vitamine C, vu que la nicotine dégrade fortement cette dernière. Donc voilà mon petit déjeuner, on va passer de suite. La suite des réjouissances. Voilà, le petit déjeuner est terminé. Généralement, 2 heures après, je pars à la salle en intra-workout, c'est-à-dire pendant mon entraînement, de l'eau avec des BCA. Ce qui est vraiment crucial, notamment en sèche. Je vous rappelle, les BCA, lorsque vous êtes en sèche, vont jouer le rôle de bloc énergétique et surtout vont vous permettre d'épargner votre masse musculaire, ce qui est intéressant lorsqu'on est dans un état d'hypocalorie. À la suite de mon entraînement, mon post-entraînement qui sera constitué d'un shaker d'isolate et en source de sucre, des fruits secs. Là, en l'occurrence, ces temps-ci, c'est les figues sèches qui sont de la fête. Au niveau de la supplémentation, je me resupplémente en vitamine C pour les bienfaits que j'ai énumérés juste avant, mais aussi pour une particularité intéressante, c'est que la vitamine C après l'entraînement va aider à baisser le taux de cortisol. Je vous rappelle, le cortisol, c'est cette hormone catabolisante que vous allez fortement produire après un entraînement, donc, et qui doit véritablement, qu'on doit essayer de réduire au maximum. Donc voilà, particulièrement intéressant en post-entraînement. Et ensuite, je prends du magné B6. Alors, la combinaison d'un minéral, le magnésium, qui est certainement le minéral le plus important dans notre sport, le magnésium qui va non seulement améliorer la récupération musculaire, mais aussi participer à la synthèse protéique, et la vitamine B6, pareil, un rôle anabolique, synthèse protéique, et qui va permettre d'ailleurs une meilleure assimilation du magnésium. C'est d'ailleurs pour ça qu'ils sont de pair. Je rappelle que la vitamine B6, qui est hyper importante, elle est exponentielle. Grosso modo, plus vous consommez de protéines, plus votre consommation de vitamine B6 doit être élevée. Donc voilà, voilà ma supplémentation après mon entraînement.
Voilà, 1h30, 2h après mon poste d'entraînement, il est temps de passer au déjeuner. Déjeuner qui sera constitué en source de glucides, hein, de patates douces. Patates douces, hein, très bonne source d'hydrate de carbone, en plus avec un indice glycémique moyen, et puis un super bon goût. Donc même en sèche, autant se faire plaisir. Agrémenté de brocoli. Alors brocoli, hein, le brocoli, pardon, le power food par excellence. Très peu calorique, riche en fibres, ce qui est important pour ce sentiment de satiété. Très riche en vitamine C et en calcium. Et en source de protéines et en acides gras de très bonne qualité, on a du saumon. Le tout sera agrémenté d'une cuillère à soupe d'huile de colza, hein, qui est certainement, avec l'huile de lin, une de mes huiles préférées, tout simplement parce que c'est la plus équilibrée en termes d'oméga. En parlant d'oméga, une capsule d'oméga 3, hein, qui va d'ailleurs accompagner, la capsule d'oméga 3 va accompagner mes 3 repas majeurs. Oméga 3, encore une fois, hyper important et qui va d'ailleurs favoriser aussi la lipolyse, hein, c'est-à-dire l'utilisation des graisses en énergie. Donc voilà pour le déjeuner. Voilà, 3h, 3h30 après mon déjeuner, il est temps de passer au premier encas, un premier encas qui sera constitué en source de glucides, hein, de son d'avoine, très bonne source d'hydrate de carbone avec un indice glycémique bas, ce qui est important, hein. Rappelez-vous, hein, en sèche et même en prise de masse d'ailleurs, hein, on évite au maximum les indices glycémiques élevés pour provoquer des pics d'insuline. Privilégiez plutôt, hein, des sources de glucides avec un indice glycémique le plus bas possible, hein, pour vraiment avoir un taux de sucre dans le sang stable. Avec de l'isolate classique et en source de lipides, hein, des noix de cajou sans sel, hein, pour limiter ma consommation de sodium, hein, pour l'eau sous-cutanée. Le tout, en fait, je vais le mettre dans un bol et je vais rajouter, alors certains vont grincer des dents, je vais rajouter de l'eau. Donc en fait, je vais mélanger, ça va faire une petite bolée qui est plutôt sympa. Alors pour ceux qui veulent tester, mais qui voilà, veulent pas rajouter d'eau, vous pouvez également éventuellement ajouter, hein, du lait d'amande. Du lait d'amande, ça passe très très bien. Donc voilà, premier encas terminé, on va attendre, pareil, hein, 3h, 3h30 avant d'attaquer le dîner. Voilà, l'heure du dîner a sonné, donc au menu nous avons en glucides des lentilles vertes, hein, légumineuses à un indice glycémique très très bas, ce qui est donc intéressant en sèche, agrémenté en légumes de haricots verts très pauvres en calories, très riches en fibres, donc satiété garantie, et enfin des asperges. Alors on aime, on n'aime pas, personnellement j'adore les asperges, hein, très peu caloriques, très riches en antioxydants, et les asperges possèdent un diurétique naturel, ce qui est particulièrement intéressant, hein, pour éliminer l'eau sous-cutanée. En protéines, un très gros classique, hein, filet de dinde grillé. Encore une fois, hein, le tout sera agrémenté d'une cuillère à soupe d'huile de colza, cette fameuse huile équilibrée. Au niveau de la supplémentation, je vais prendre ma dernière capsule d'oméga 3, et enfin une dernière capsule de magnésium B6. Un nota bene aussi, je parle tout à l'heure de diurétique et d'eau sous-cutanée. Buvez, hein, beaucoup, hein, que ce soit en prise de masse ou en sèche, buvez énormément. Au minimum, hein, je dis bien au minimum, hors ce que vous consommez pendant votre entraînement, essayez de boire au moins 2 litres d'eau, hein, dans la journée. Hein. Dès que vous avez soif, de toute façon, hein, buvez. Hein. Avoir soif, c'est déjà être déshydraté. Donc buvez, 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 c'est hyper important. Personnellement, je bois à peu près 4 litres d'eau par jour, hors consommation intra-training, et j'utilise de la Courmayeur. Alors, c'est pas que j'ai des actions chez Courmayeur, hein, c'est tout simplement que c'est une des eaux, je crois même que c'est l'eau, qui est la moins chargée en sodium, hein, donc particulièrement intéressante, hein, pour le contrôle de son sodium et de l'eau sous-cutanée. Donc voilà, le dîner a été consommé, on va attendre quelques heures et on va finir par la collation du coucher. Nous arrivons au terme de cette journée type, hein, avec ma dernière collation. Il s'agit de la collation du coucher, qui sera constituée d'un shaker de whey isolate. Hein. Je tiens d'ailleurs à préciser que tous les shakers que j'aurais pris durant la journée ont été pris avec de l'eau, hein, et non du lait, hein, car je ne consomme pas de produits laitiers. En guise de lipides, je prends des noix de cajou, encore une fois sans sel, pour limiter ma consommation de sodium pour l'eau sous-cutanée. Et en complément, je prends du ZMA. Alors le ZMA, qu'est-ce que c'est ? C'est l'alliance de deux minéraux, le zinc et le magnésium. Le magnésium, j'en ai déjà parlé. Le zinc, quant à lui, est très important puisqu'il va favoriser, stimuler la production de testostérone. Donc, ces deux minéraux combinés vont, vous l'aurez compris, hein, favoriser la récupération musculaire, l'anabolisme musculaire, mais également favoriser le sommeil, ce qui, dans mon cas, est particulièrement salvateur. Pas trop encore là, mais dans les semaines à venir, ça va m'aider puisque, avec la réduction glucidique, hein, eh ben, les insomnies vont être de la fête. Donc, particulièrement intéressant lorsqu'on est en sèche, mais également, hein, vous l'aurez compris, en prise de masse. Donc voilà, avec cette collation se termine
ma journée type de mon alimentation en sèche, hein, qui, je vous le rappelle, reste un exemple parmi tant d'autres. Ça ne veut pas dire que je mange systématiquement la même chose tous les jours. Diète d'ailleurs, hein, qui va subir des modifications durant les semaines à venir jusqu'à l'échéance finale. D'ailleurs, hein, si vous avez des questions quant à mon entraînement, quant au cardio, ça revient souvent, hein, cardio en sèche ou sur l'alimentation, je vous invite à les poser en commentaire sous la vidéo, hein, je ferai une compilation et ça fera l'objet d'une vidéo question-réponse sur la sèche. Donc voilà, je vous invite à aller sur mon site internet enzocoach.fr si vous voulez bénéficier d'un coaching distance, que ce soit en termes de plan alimentaire ou de plan d'entraînement personnalisé. Le lien du site sera en description de la vidéo. Je tiens également à remercier mon partenaire MyMuscle pour la confiance qu'il nous porte. Je vous invite à aller sur leur boutique de compléments en ligne. Ils offrent un vaste choix de produits à un rapport qualité-prix tout bonnement exceptionnel. Et à ça, MyMuscle vous offre en guise de bienvenue un code de réduction unique de moins 20% sur votre première commande, code qui s'affiche dès à présent. Et à la suite de quoi, vous aurez moins 10% en permanence avec ce second code. Donc merci à eux et merci pour leur confiance. Donc, cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous a plu, hein. Si c'est le cas, n'hésitez pas, abonnez-vous à la chaîne et mettez un petit pouce bleu, les amis, hein. Ça fait toujours plaisir, ce petit signe de soutien. Je vous souhaite tous de très très bons entraînements, de très bons repas pour ceux qui sont en sèche, et on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Vous étiez sur Enzo TV, je suis Enzo Foucra, bye bye les amis, ciao, salut.